Berger, c'est une équipe d'individus qui sont axés vers des résultats tant de l'organisation que leurs résultats personnels. C'est une entreprise qui est dynamique, qui est vraiment caractérisée par les gens qui la constituent. Pour moi, Berger, c'est une compagnie qui est responsable, qui est engagée, puis qui est une compagnie qui innove. C'est une entreprise qui est née d'un rêve d'une femme en 1963. L'entreprise a été fondée par mes parents, qui ont décidé de partir une tourbière dans la région de Saint-Modeste, près de Rivière-du-Loup. Ce qui nous distingue chez Berger, je pense qu'il faut remonter dans la chaîne, il faut remonter jusqu'au champ, à la récolte. On est vraiment des experts quant à la matière première. On est définitivement reconnus partout dans le monde pour notre qualité. On offre un service global à nos clients. Le produit est d'excellente qualité, mais on a un support technique après-vente qui peut aider les clients dans leur propre univers. Toutes les valeurs confondues dans l'organisation, moi, l'engagement, pour moi, c'est définitivement une valeur très importante. Pour moi, ce serait l'harmonie. On ne peut pas réaliser des projets comme on a fait chez nous sans qu'il y ait de l'harmonie, dans un climat de confiance. C'est la proximité, c'est être près de notre monde, d'être capable d'aider dans leurs besoins. Puis c'est aussi très important du côté des ventes d'être proche de nos clients. Performance, parce qu'il faut être... pour rester en business, il faut être performant, que ce soit au niveau de notre approche client, que ce soit au niveau de nos processus, de notre productivité. Ma plus grande fierté, en fait, c'est de faire un transfert troisième génération. De reprendre la relève avec ma sœur aussi, ça me rend fière. Beaucoup de réalisations dans une période là, qui a été le 50 ans, avec la mise en marché de nos produits également. Donc, c'est avec fierté là, qu'on a fait tous ces projets-là avec des équipes de travail exceptionnelles autour de nous. L'avenir de l'entreprise, là, je vois les 50 prochaines années aussi belles que les 50 qui viennent de passer. D'autres acquisitions, on veut élargir la famille de clients, on veut élargir la famille d'employés. Puis je nous vois grossir, je nous vois prendre des parts de marché. Puis finalement, c'est infini.